Diese Extremisten. Kriegstreiber. Verbrecher. Ist ein Diktator. Der Schurken auch. Feinde der Menschenrechte. Camarades combattants, pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle, bonjour. Rendons grâce à Dieu qui a permis à ce que ce jour 11 ait lieu et que nous puissions nous retrouver dans cette cuvette du Palais des Sports pour échanger autour de l'avenir de notre patrie. À l'issue donc de votre décision le 25 mai dernier de nous confier la destinée de notre patrie pour 5 ans encore. Soyez-en remerciés. Nous ne voyons pas cela comme un mandat, mais nous avons compris cela comme un message qui nous a été passé. Et le message a été très bien reçu. Et nous ferons tout pour toujours mériter votre confiance. Permettez-moi également, et après, l'étape la plus importante, ce sera de vous décliner de façon sommaire la vision pour l'avenir, si je peux m'exprimer ainsi. Durant ces 20 et quelques mois, passés donc à la tête de l'État, nous avons eu à rencontrer plusieurs hommes politiques venus de toutes parts. Nous avons rencontré des centaines de diplomates venus de toutes parts. Nous avons rencontré des hommes d'affaires venus d'un peu partout du monde. Nous avons été ouverts à tous ces échanges, à toutes ces discussions pour pouvoir apprendre du monde, pour pouvoir comprendre le monde. Et aujourd'hui, je pense que l'occasion est très belle pour que je puisse vous expliquer quelles conclusions nous avons tirées de tous ces rendez-vous que nous avons eus avec des hommes politiques venus de tous les continents, des diplomates venus de tous les continents. C'est très important. C'est très important la conclusion que nous avons tirée et ça doit vous permettre de comprendre le monde. Parce que souvent, dans nos contrées, nous n'avons pas cette perspective de pouvoir avoir accès à certaines personnes qui vont vous enseigner beaucoup de choses à travers leur comportement, à travers leurs propos et aussi en vous disant comment ils nous voient. Camarades, Dieu a créé le monde avec tout ce qu'il y a comme bonheur, comme malheur, comme bien, comme mal, les humains, les génies, les animaux et tout ce qui va avec. Mais nous, humains, avons décidé de faire du monde autre chose. Chez les impérialistes, ils ont une vision du monde que je m'en vais vous expliquer. Le monde se résume en un triangle pour eux. Vous verrez le triangle dans la plupart de leurs insignes. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais le monde se résume en un triangle. Pour eux, au sommet du triangle se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. C'est la prospérité, c'est tout ce qui est positif, c'est eux qui ont droit à tout ce qui est bonheur sur ce monde, c'est eux qui ont droit à toutes les richesses, c'est à eux d'imposer leur manière de voir le monde, c'est à eux d'imposer leur vision, leur mode de vie. Voilà pourquoi pendant la colonisation ou leur conquête, je dirais, ils venaient vers nos terres et ils disaient qu'ils ont découvert nos terres parce que pour eux, nous sommes des sauvages. Nous n'avons rien de comme eux, en fait. Donc,
Ils nous appelaient des indigènes. Et c'est eux, le peuple. Ils s'arrogent tous les droits. Et pour eux, le monde doit marcher comme ce qu'ils veulent. C'est simple. Je prendrai quelques exemples. Regardez à travers leurs films. Ils ont préparé l'esprit de leur peuple pour les faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. C'est eux qui doivent tout posséder. Vous ne direz pas le contraire. Dans tous leurs films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants. Ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent les mauvais rôles de trafiquants de drogue, de proxénètes, de trafic d'humains, jusqu'à un passé récent, bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle des terroristes. Voilà un peu comment ils perçoivent le monde. Quand je prends sur le volet économique, qui parmi nous n'a pas traité les produits chinois de produits Shintok, comme on aimait l'appeler, de mauvais produits? Mais aujourd'hui, j'ai pu vous dire qu'on a tout tort, parce que la Chine est à un niveau de technologie assez avancé, et c'est en Chine que la plupart de ces pays viennent s'approvisionner, mettre leur marque dessus et nous revendre comme étant leur propriété. Regardez autour de vous. Nos entrepreneurs qui sont dans le BTP ne diront pas le contraire. Tous leurs engins aujourd'hui sont chinois. Les ceux qui font le transport ne diront pas le contraire. Ils nous ont menti parce que nous avons fait le tour du monde un peu dans ces 20 mois pour chercher des entreprises, pour chercher des usines. Et nous avons compris que tout revenait là-bas. Mais par leur communication, ils nous ont amenés à détester tous les produits chinois, à vouloir nous faire comprendre que ce qui est bon venait de chez eux. Pas forcément d'ailleurs. C'est simple. Remontez le temps. Pour mieux comprendre ce que je dirais, il faut remonter un peu le temps. Et j'espère que certains iront lire qui sont les tsars, les conquêtes mongoles, les empires perses, turcs et ottomans. Lisez leur histoire, vous comprendrez pourquoi le monde est ainsi fait. À la base du triangle, il y a deux empires. D'un côté, l'empire du mal, selon eux, et l'empire des esclaves de l'autre côté. Voilà comment ils voient le monde. Qui est-ce qu'ils appellent l'empire du mal? Ceux dont je viens de citer tout de suite l'origine, et je vous ai dit de remonter le temps, allez-y lire, vous comprendrez pourquoi ils sont l'empire du mal à leurs yeux. Ils combattent l'empire du mal. Pour eux, l'empire du mal doit disparaître. Pour eux, l'empire du mal incarne le diable. Ils communiquent et ils le font comprendre à leur peuple ainsi. Voilà pourquoi, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 80, je prendrai le cas de la Russie, où tous les stratagèmes ont été mis en œuvre pour l'effondrer avec le président Gorbatchev. En États-Unis, c'est le président Ronald Reagan qui était à la manœuvre. Trois stratagèmes principaux ont retenu notre attention. Ils sont allés donc au niveau de l'Arabie Saoudite les demander de baisser le prix du pétrole de $35 à $7 pour faire écrouler l'économie russe. Parallèlement à cela, le deuxième stratagème. N'oubliez pas quelque chose. Ces mêmes personnes qui viennent de quitter l'Afghanistan, soit disant qu'ils combattaient les talibans ont été reçus par le président Ronald Reagan à la Maison Blanche. Ils ont été armés par la CIA. Les fameux missiles Stinger, sol-air, ont été livrés aux talibans pour combattre les Russes. Et plus tard, ils viennent supposer les combattre. Allez-y comprendre. Le troisième stratagème, c'était un bluff. Le projet IDS, Star Wars. Lisez, vous comprendrez pourquoi ils ont amené le président Gorbatchev à créer le projet Paulus qui a enfoncé la Russie. Une fois que la Russie s'est effondrée,
ceux qui se prétendent être de l'Empire du bien ont commencé à juguler, jusqu'à ce que vienne cette équipe avec Vladimir Poutine pour essayer de remonter la Russie en surface. L'Empire du mal, selon eux, a beaucoup souffert. Regardez l'Iran aujourd'hui, toutes les sanctions possibles. Regardez comment ils qualifient certains peuples. Par la communication, ils peuvent arriver à vous amener à faire détester un peuple ou à aimer un peuple. Ils sont très forts dans la communication et ils passent par tous les canaux possibles. Regardez les guerres qui sévissent. Ils ont tout inventé pour leur propre intérêt. Et enfin, l'empire des esclaves, selon eux, c'est l'Afrique et certains peuples d'Amérique du Sud. Dans leur tête, comme je le disais dernièrement, l'Afrique les appartient, nos terres les appartiennent, les richesses de l'Afrique sont pour eux et ils ne peuvent pas concevoir que des Africains puissent s'émanciper, sortir la tête de l'eau et vouloir donc les tenir tête. Et pour cela, ils se sont mis un cliché en tête. L'Africain est facile à manipuler, il n'est qu'émotion. Ils trouveront toujours un Africain pour lutter contre son frère. Et ça a toujours été comme ça. Par la communication, ils vous ont amené à détester votre propre couleur de peau. Dans nos cultures, et dans beaucoup de cultures au Burkina Faso ici, le deuil était symbolisé par la couleur bleue. Lorsqu'une femme perd son mari, elle portait donc des tenues de couleur bleue pour faire son deuil pendant un temps donné. Ce sont eux qui sont venus vous dire que le noir symbolise le deuil, le diable, la médiocrité, tout ce qui est mauvais. Et malheureusement, nous avons tellement avalé ça que lorsque nous sommes en deuil, nous nous mettons également en noir. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons parce que voilà le cliché qu'ils ont en tête. Eux, ils sont l'empire du bien, d'autres sont l'empire du mal et nous, nous sommes l'empire des esclaves. Voilà comment les impérialistes voient le monde. Prenons l'histoire de quelques guerres. Vous avez suivi la guerre d'Irak. Un gros mensonge qui a été inventé, soi-disant de possession d'armes de destruction massive. Certains sénateurs au niveau des États-Unis ont tout fait pour avoir les preuves. Ils ne l'ont pas eu. Souvenez-vous que plusieurs personnes ont démissionné de la CIA après cette guerre. Des preuves ont été inventées de toutes parts. Des services secrets occidentaux les ont aidés à fabriquer des preuves. Et on se souvient que le même Niger a été accusé en son temps en montant une fausse contrat de vente d'uranium à l'Irak. C'est le même processus qu'ils ont voulu amener la dernière fois pour soi-disant que le Niger vend de l'uranium clandestinement à l'Iran. C'est déjà vu. Ils ont prétexté cela, ils n'ont pas eu de preuves. Même les Nations Unies ont trouvé finalement qu'il n'y avait pas de preuves tangibles de présence d'armes de destruction massive. Mais ils avaient leur objectif, il fallait détruire l'Irak. Ils ont détruit l'Irak. Ils ont créé l'État islamique, tout comme ils ont créé les talibans dans les années 80, les armés, les équipés. Et après, ils prétendent venir les combattre. Comprenez le jeu. Ça n'a que trop duré. Il faut qu'on se réveille et qu'on comprenne tout ça et que nous prenions conscience de notre situation et nous battre pour notre avenir. Toutes ces guerres ont été inventées, passant par l'Irak, la Syrie, la Libye, dans le but de déstabiliser le monde à leur profit, parce que nul ne doit pouvoir les égaler. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le Sahel aussi à travers le terrorisme qu'ils nous ont imposé, parce qu'ils trouveront toujours des Noirs qui vont s'exciter et qui vont prendre les armes contre leurs frères noirs. C'est ce que nous vivons. Et ils n'ont jamais quitté ce modèle. Malheureusement, beaucoup de gens leur donnent raison. À cause de quelques billets de dollars, ils se vendent très moins cher à l'ennemi, à l'impérialiste, et ils se mettent à combattre leurs frères.
Je voulais faire ce petit historique du monde pour que vous compreniez comment l'impérialisme voit notre monde. Ça se résume en ce petit triangle. Nous n'avons pas le choix que de combattre. Et nous avons opté pour le combat. Et c'est par là que nous serons libres, que nous serons réellement indépendants. Pour ce faire, nous avons pris le soin de diagnostiquer le problème profond du Burkina Faso. J'avoue que le problème est réel et profond. Le mal est là. Nous l'avons diagnostiqué et nous découvrons de jour en jour le système. Plusieurs nœuds ont été défaits, mais des nœuds restent à défaire parce que tous les jours que Dieu fait, nous découvrons certaines pratiques. Je peux comprendre, plusieurs décennies durant, ce système s'est installé. C'est devenu comme un gène dans nos ADN. Mais il faut que nous arrivions donc à soustraire ce gène donc de nos ADN et pouvoir construire un Burkina nouveau. Voilà pourquoi dans la troisième phase de mon propos, je m'en vais donc donner des lignes directrices dans certains domaines clés. Nous ne donnerons pas de détails sur notre programme, si on peut le dire ainsi, parce que quand le programme est connu au détail près, ils vont anticiper, ils vont poser des obstacles sur nos routes et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Nous avons des partenaires qui ont accepté nous vendre des équipements et qui ont même proposé de pouvoir nous livrer des équipements stratégiques et que nous puissions payer dans le temps. Nous leur en remercions pour ce geste. Et nous disons encore merci au peuple qui a compris le sens du combat, qu'il faut que nous nous battons. Si nous ne nous battons pas, ils viendront nous chercher chez nous, comme dans un poulailler ou dans une bergerie. Certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants. Et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso. Je le dis ici haut et fort et solennellement. Ça va s'arrêter. Nous allons retirer des permis d'exploitation. Nous n'allons pas permettre cela. Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements, faire bloquer nos équipements. Nous n'allons pas accepter qu'ils s'attendent. Nous allons récupérer nos permis d'exploitation et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases, une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi.
C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrières, parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays, et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir, les peuples de ces pays dont je parle doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique, parce que ça ne les arrange pas du tout. Nous n'allons pas donc nous détailler sur tous les aspects. Nous allons nous arrêter là, parce que vous avez beaucoup de questions sûrement à poser sur ce que nous venons de dire, et nous allons vous apporter les réponses claires, simples et limpides. Merci beaucoup et je vous laisse la parole. Liebe Zuschauer, wenn euch unsere Beiträge gefallen, teilt sie unbedingt in den sozialen Medien. Abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr keine Veröffentlichung von Gegenpol verpasst. Diese Extremisten. Kriegstreiber. Verbrecher. Ein Diktator. Der Schurken auf. Feinde der Menschenrechte.